Bah, je trouve un petit cheval. Là, il y a des petits boucs, des petites poupoules. Il y a un petit gars déprimé là tout seul. Parlons-lui, parlons-lui. Ok, une petite caverne secrète là cachée comme ça. Il récupère les petites graines lumos. Espadon rouillé, c'est quoi ça? Champi lumos, ok. On va pas plonger je crois. Attends, il y a un coffre là. Let's go. Ah, je vais pas te saisir. Comment ça? Peut-être le coup là. Bon, je suis pour Et au milieu des coriaces. Hein. Si t'attends, je vais tenter un truc. Merde. Où est-ce que c'est ça? Là. Bah ça n'a rien fait et j'ai pété mon bordel. Là il y a un petit coffre là de caché, j'arrive pas à l'avoir, ça me saoule, ça me saoule. Bah attends, pire, je vais mettre une marque jusqu'ici, comme quoi faut que j'y pense quoi. Donc quoi, il y a un coffre. Ça m'enchaîne un petit peu sur autre chose. Ok, on sort du puits, vas-y on récupère une petite louche. Couvercle de marmite, non, pas intéressant. Pas intéressant pour le coup. Ça, qu'est-ce que c'est? Grappe de tomates. Putain, il y a des tomates maintenant. Et tu prends ça plein de trucs. Hein.
Ça, sanctuaire là. Ok, j'ai trouvé tous les trucs que je voulais trouver. Je pense que, attends, je vais pas dû faire le petit point violet là, qui est pas très loin. Puis au moins ça peut voir. Là-bas, il y a un autre sanctuaire et tout. Ça, c'est les plans qui sont dessinés et on dirait qu'ils brillent la nuit du coup. Très très stylé tout ça. Plein de mystères qui s'ouvrent à nous. Attends, what the fuck, y'a un arbre qui s'est réveillé là? What the fuck, c'est quoi ça? Attends, attends, attends. What the fuck? C'est miraculeux. Corne de bocobin bleu. J'ai plus d'armes. Allez, qu'est-ce que tu fais avec l'arme là? Vas-y, on récupère là les pommes. Ah mais attends, encore un qui se réveille là. C'est dingue ça. Tu sais, il y a plein de petits lieux qui peuvent récupérer des débris de choses. Pour construire des trucs. C'est plutôt cool. C'est quoi ça? Attends. Attends, attends. Quoi qui me blesse là? Ah, un squelette. Voilà, mort. Vas-y, on découvre plein de choses là. Mais là, ça fonce à toute berzingue, il a comme une bagnole, mon vieux. Ah, lui, il veut rejoindre son pote là. Il est où? Il joue là-bas là? C'est une blague. Bien. Ah, ça fait un bout de chemin quand même. Hein. Vas-y, je vais. Il y a un truc qui est tombé là-bas. Hi. La chose à faire serait de vous diriger vers le fort de Geek qui se trouve au sud du château d'Irule. Il y a un alignement ce tour, vous n'aurez aucun mal à avoir de loin. Par contre, je vous recommande la plus grande prudence sur la route, les Monstres Road. Ok.
Ok, bon, on va déjà faire le petit sanctuaire qui se trouve juste ici. Alors, dans ce sanctuaire, qu'est-ce qu'il va avoir de beau? Le son de combat lancé. Voilà. Les golems qui me font bien chier. Toi qui as pénétré ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Vas-y, je prends, je prends. Vise bien, puis lance ton arme sur l'ennemi. Ok, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Aucune autre attaque ne sera efficace ici, prépare-toi. Ok, très bien. Donc c'est que des attaques de lancer. Bravo. C'est déjà fini. Ne te laisse pas distraire par ces mouvements et lance ton arme sur l'ennemi. Ok. Je vais lancer, vous inquiétez pas. Ah bah allez hop, défoncer en deux, hein, putain. Qui me suit la technique qui peut à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Et bah let's go. Petit coffre directement qui est donné. Est-ce que je peux récupérer les loot du cas? Ouais, nickel. Ah, épée et deux sonium. Il a l'air d'être stylé. Vas-y, on récupère le coffre. Dans ce coffre, il y a lance de sonium. Je pense qu'on peut en faire une arme plutôt stylée avec en mettant un truc au bout. Puis sanctuaire, vite fait, bien fait. On apprécie. Et ça me redonne maker en plus, let's go. Maintenant, on va ramener l'autre Kurugu là, son pote là. 6 sanctuaires de fées pour l'instant. On avance, on avance. Alors. Pour ramener le zigoto à son poteau. Je pense qu'on va utiliser le véhicule qu'on a construit là vite fait. Hein. Là qu'il s'est déconstruit d'ailleurs. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elles me veulent les gelées là? Attends, je sais plus pour où est-ce qu'il était ton pote par contre. Ça doit être le point violet là, j'imagine. Ah oui, ok, les sièges de fumée sont là-bas, c'est bon, j'ai repéré, j'ai repéré. En même temps, ils se chargent comme des mines, les machins. Je vais te coller à l'avant du bordel, tu vas voir. Hop là. On n'avance pas. Hein. C'est à cause de lui, hein. Il y a les bas de caisse qui frottent. On n'avance pas. Ah si, c'est bon. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un double moteur.
Ouais, on avance à notre vitesse, on va dire. T'inquiète pas, mon petit, t'inquiète pas. Attends, attends. Reviens, 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 reviens. Putain de bordel. Vas-y, je vais te ramener comme ça parce que tu m'as saoulé. On va le rejoindre, ton poteau, on va le rejoindre, t'inquiète donc pas. On s'y approche, on s'y approche là. Ouais, là, attends, il y a des trucs magnifiques ici. Oh, il y a un mage. Voilà, let's go. Deux noix Kourougou, nickel. On va sur le sanctuaire du coup en même temps tant qu'on est là. Hein. J'ai peur de défoncer le mage là, je pense qu'il est trop chaud déjà pour moi à l'époque là. Là je suis encore tout juvénile. Il y en a des sanctuaires hein, je trouve. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Ce sanctuaire dissipe le mal ancestral. Ok. Donc là j'ai plus rien. Tu ne peux pas utiliser ton équipement ici. Ok, très bien. Combat des armées débutants. Ok. Ça va, je récupère un stuff quand même. Là je vais devoir affronter 3 gars. Ok, très bien. Je vais quand même utiliser mes pouvoirs. C'est... Oh la vache, attendez. Attendez les gars. Attendez. J'ai tout en direct shot on va dire. Attends, il peut me taper pendant ce temps. La triche. Il est trop fort avec ça au bout. Hein. Let's go. Ça a raté vite fait, vite fait. Tu peux à nouveau disposer de ton équipement, ok. C'est trop fort de mettre des petits trucs sur les bouts des bâtons, des machins. Ah mais du coup, par contre, je peux pas récupérer leur loot. Apparemment non. Ok, très bien, je prends note. On récupère le petit coffre dans ce coffre où nous avons. Bouclier rebondissant. Stylé, attends. On met avec ça. Ce sono, il permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts sonos qu'on y attache. Ok. Je vais manger, je te laisse à tout à l'heure si jamais tu joues encore. Bah écoute, là je pense que je vais couper dans un petit quart d'heure. Parce que je vais aller manger également. Et après je restreamerai sans doute que ce soir. Cet après-midi, je vais peut-être faire un peu de montage vidéo, etc. et tout. En tout cas, merci à toi de passer la calvitie de suivre le stream, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir au moins une personne qui suit l'aventure. C'est cool, merci à toi. Et bon appétit du coup, bon appétit.
lueur bienfaisante. Let's go. Je pense qu'on va se faire un dernier sanctuaire, un truc comme ça, et après on va s'arrêter là. Je vais essayer de défoncer le mage là. Alors ça, attends, ça à mon avis. Tu l'équipes. Putain, mais non, attends, je sais plus comment je peux équiper. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant de ça mettre au bout? Voilà. Là c'est stylé. Moi j'ai one shot. Bah let's go. Je m'y attendais pas. Ah, y'a des dragons et tout qui volent là. Dégagez. Dégagez. Eux ils font la teuf et tout là, les petites merdeux. Moi je trouve qu'on commence à avoir du bon équipement, je trouve. Hein. Vas-y, je vais. La balise rouge, la balise rouge. La balise rouge, en fait, c'est quoi que j'ai pu. Mais ça, c'est méga loin, c'est méga loin. C'est pas très loin par contre. Ah en fait c'est pas très loin, c'est pas très loin quand même. Quand même, quand même. Salut MJD41, comment ça va? La forme? Petit champipi, on va récupérer ça. C'est quoi ça? Ah oui, putain, je suis con. C'est les petits merdeux là que j'ai dû rattraper et tout, là, les faire se retrouver, machin. T'as vu, manque qu'on ait un cheval ou une connerie du genre. Des petits villageois. Est-ce qu'il y a moyen de discuter vite fait, monsieur? Le fort du guet, le fort du guet, très bien, très bien. Il y a un dragon là-bas. Bien stylé tout ça. Et ça reste méga loin quand même la tour. Hein. Vas-y, je récupère la fleur. Je pense qu'on va se faire la tour. On va s'arrêter là pour ce petit stream matinal. Enfin maintenant, on est en début d'après-midi carrément, mais parce que le temps passe vite. What the fuck c'est quoi ça? What the fuck c'est quoi? Attendez, attendez, attendez! C'est de la triche là, je sais pas ce que c'est ça.
Et ben, le compteur de mort en plus, hein. Ah non, mais c'était quoi ça en même temps? T'as des yeux qui sortent du sol et tout, là. C'est quoi ce bordel? Ça va, bah écoute, ça fait plaisir à lire. Putain, le bordel, c'était quoi ces monstres là? Ils se sont sortis de nulle part d'un coup, là, je m'y attendais pas, je t'avouerai. Je suis pressé d'acheter le jeu. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Franchement, il est lourd, hein, je peux que te le conseiller. Donc là, on est encore sur le début du jeu, j'ai envie de dire, tu vois, mais. Il a l'air fou. Il a l'air ouf, pardon. Ouais, bah, très clairement, très clairement. Hop, compartiment du bouclier est plein. Ça doit être une sacrée forteresse qu'il y a là-bas. Je peux marcher. J'ai juste le nez qui dépasse. Ça passe, ça passe. Donc là, il va y avoir un Kourougou installé. Voilà le caillou, il se trouve ici. Il est à mettre, il est à mettre. Et c'est là. Parfait. Petit Kourougou de trouver. Let's go. J'étais pressé de voir des let's play dessus. C'est trop bien qu'il fasse ses trémas dessus. J'ai pas compris la fin du message, mais en mode. Enfin, j'ai cru comprendre que t'es content que je fasse le let's play sur le jeu. Donc, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Bah, du coup, il y aura tout le let's play sur la chaîne Twitch. Il y aura sans doute les rediffusions sur YouTube après. Mais le problème, c'est que les rediffusions, 3 heures de dérush à faire par-ci par-là, ça va être long pour moi, ça va être long. Ah, des streams dessus, ok, ok. Bah, content que. Bah, que tu sois content, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire. Du coup, là, ce soir, si tu veux, je restream. Là, je vais arrêter dans un petit quart d'heure, 20 minutes à peu près. Mais si tu veux, ce soir, je restream le jeu à 21h. Donc, si tu veux passer pour continuer à regarder tout ça, avec plaisir, avec plaisir. Après demain soir, je referai un peu d'Overwatch 2 par contre. Mais dès la semaine prochaine, je referai beaucoup de streams dessus. Peut-être 3 dans la semaine sur les 5. À voir. Donc là, on est dans un camp ennemi quoi. Trop bien, je suis chaud. Eh ben écoute, ça fait plaisir à lire. Ça fait littéralement plaisir à lire. Et si ce serait pas le. Oh, t'as vu ce que je vois là? Merde. J'ai mis au mauvais endroit. Voilà. Ça, faudrait que j'y aille. Y'a trop de trucs à faire dans le jeu, trop de trucs. Et si c'est le grand tour, ça me rappelle quelque chose, je crois que j'y aille aussi. Fruit de clarté, vas-y. On prend. Bon, tout ce que j'ai marqué, c'est trucs que je dois faire. Il y a du boulot. Bon, ça par contre, du coup, faut peut-être que je prenne par la porte d'entrée, mais... faut que je finisse Breath of the Wild, déjà je pense les missions secondaires. Mais écoute, t'as bien raison. Non, Breath of the Wild, en vrai j'avais tout terminé, plus ou moins. En tout cas j'avais fait les missions principales. Secondaires, de base du jeu, j'avais tout fait. Après il me restait les... Ma copine avait acheté des DLC. Donc il me restait, on va dire, les DLC à terminer, mais ça j'avais pas fini par contre. Vas-y, on part sur une phase de combat pour finir le stream là. Ils sont coriaces. Hein. Donc j'imagine pas les gros là. Bâton solide, vas-y, je prends. Croix de bogo plein. C'est quoi ça? Ah, c'est bâton solide, je fais pas, ok. Ah, j'ai pas fait les DLC, mais j'ai fait du boulot dessus avec la moto, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a la moto bien stylée, ça pour te déplacer et tout. Bien stylé. Bon, les DLC sont cool. Je les ai pas tous fait, les missions. Je sais que ma copine les a tous fait, mais moi j'ai pas tout fait. Mais c'était déjà bien cool.
Il y a pas un petit truc là. Ah oui, ok, je m'en doutais que ça allait me défoncer la gueule en 2-2. Attends, attends. Ah le con. Il est complètement malade. C'est parfait, c'est trop bien de pouvoir faire des trucs comme ça. Let's go. On a défoncé un gros bestiau. Donc là t'es au début du jeu. Ouais, je suis au début Super Katana Déter. J'ai commencé à stream le jeu hier soir à 21h. Et il y a encore la rediffusion qui est disponible sur mon Twitch. Je vais guetter un petit peu ce que j'ai fait. Mais ouais, là je suis encore au tout début du jeu. En fait là je viens de terminer le prélude. Faut pas trop te spoiler et tout d'avance. Tu vois, t'as les îles célestes. Et le prélude, du coup l'île c'est une île céleste. Et quand j'ai fini le prélude, du coup ça m'a ramené sur la terre ferme. Et là du coup j'ai toute la carte à découvrir machin. Après il y a plein d'îles célestes aussi à découvrir, il y a là des trucs. Incroyable, on peut combiner des objets. Ouais, tu peux combiner plein d'objets. C'est vraiment très stylé. D'ailleurs je pense même que tu vois je peux faire un truc mais c'est un peu kamikaze. Je pense que je peux combiner ce bordel avec une arme et quand je tape ça doit exploser à mon avis. J'en suis sûr. Là vraiment je découvre les premières images du jeu avec ton stream. Ah bah écoute, ça fait plaisir d'apprendre ça, ça fait plaisir. C'est cool que je sois le précurseur pour ta découverte. C'est cool, ça fait plaisir. Attends. Là, attends le bordel là qu'ils m'ont fait les bordels. Vas-y, attends, je me prends ça. Manger. Voilà, moi ça. Ah, attends. Bouge pas. Voilà. Ils sont morts. T'as ça. Attends, mais ouais, je suis con que je prenne une hache. Faut que je prenne une hache. Incroyable, oui, j'avais vu les îles célestes. T'as vu, c'est bien stylé les îles célestes. Alors là, je pense qu'il y a encore du. J'ai entendu avec ses grosses pattes là, il est encore en vie. Oh là là, attendez. Et allez, on rajoute une mort au compteur. Putain la vache, il avait un casque et tout, c'était le lieutenant de la base. 1 hour later. C'est juste qu'il faut que je défonce avec les tonneaux d'explosifs. Après là tout mon plan est goupillé pour les autres. Les autres petits là qui sont sans masque, eux je les tape en 2-2. Avec n'importe quelle arme je les prends. Et là pour le gros après, enfin pour l'autre avec le masque. Coup de bouclier bondissant, je le fais tomber à terre, je le défonce, masque de pété. Voilà, mange-toi ça déjà, en guise de bienvenue. J'ai gardé des gelées chuchus là. Je suis pas peu fier. C'est ça la tenue de départ. Non, la tenue de départ, t'es en caleçon au début, on va dire. Après, tu gagnes, on va dire ça et ça en tenue de départ. Et moi, j'ai trouvé une petite botte de neige. C'est toujours bien sympa. Ils font quand même mal, hein, les petits bottes. Hein. Allez, mange.
refait plein de nouveaux trucs. Moi, je gardais souvent la tenue pour faire moins de bruit. Oui, je vois laquelle que c'est. J'avoue qu'elle est bien en même temps. Et ça, on fait notre plan d'action. Hop. Tac. Ça, on va mettre juste ça comme ça. Pour. Qu'ils me pètent les caisses. Eux-mêmes. Attends, bouge pas, mon petit truc. Merci bien. Maintenant les gars, venez. Attendez, attendez, attendez. Là déjà il y a tricherie. J'étais pas prêt, il commence à me taper. Bon, ok les gars, les gars, les gars. Là, ça va commencer par contre à être délicat. Voilà. Même dingue ça. Me faire manger toutes mes ressources. Et le soldat. Je vais faire le tri un peu dans mes trucs là. Et j'ai celle-ci, tac. On va prendre l'épée de soldat. Et qui envoie des parties de monstres. Ah oui, je vois lequel tu dis. Je vois, je vois. J'ai revu Thierry là tout à l'heure. Okay. Thierry le fameux il est vraiment dans tous les Zelda le game. Ah ouais toujours. Ah vadrouilleur hors pair. Venez à moi les gars. J'ai bien défoncé. Je retombe, c'est pas possible ça, c'est pas possible. En fait, j'ai tellement peur, tu sais, qu'il respawn les bordels, le truc comme ça. Parce que là, j'ai déjà tellement de ressources en soi. Viens à moi. Peut-être pas le gros non plus, mais juste l'autre. Parfait. Déjà, tu vois les deux là. Hein. Okay.
Des fois je me trompe dans les touches, c'est fou. Je suis pas encore tous mes repères. Efficace la boule de pique. Ah non mais très clairement, elle est trop bien. Attends. Reviens. Reviens. C'est dingue ça. Tu vois, je peux les coller entre eux. Mais si, le gros en premier s'il vous plaît, ce serait mieux. C'est le gros qui vient, nickel. Cela me fait perdre grand chose, hein. Je dois dire. Dégage, je veux que tu vas mettre un coup de massue là, je vais décoller jusqu'à l'autre bout de l'île. Dans le fiac que je lui mets à lui. La bombe qui pourrait son indépendant, j'avais pas vu le message. C'est bien marrant. Parfait ça, il s'est foutu ça dans la gueule, c'est beau. Attends. C'est bon, il n'y a plus de bombe là, tout a été pété. Ça a peut-être même niqué le petit merdeux qu'il y a avec. De rien. Ah dégage, attends. Il a récupéré une vieille épée, bouffon là. Mange. Attends, c'est la lune de sang là? C'est la lune de sang, attends. Non, ça peut pas se passer comme ça. Hein. Vas-y, j'ouvre avant. J'ai fait tout ça pour rien, ça se trouve, je sais pas, faut peut-être avancer dans le jeu pour pouvoir après avoir un truc qui te permet de monter dans la tour. Je passe la cinématique parce que je suis trop curieux, ils vont tous respawn, je suis sûr. Ils ont tous respawn, ça c'était sûr.
démon, le démon. Moi c'est ouvert, tu pourras revenir. Ouais, de toute façon j'aurais peut-être même pu ouvrir dès le début en fin de compte. J'ai peut-être juste appuyé sur A. Au moins j'ai eu le mérite de tuer un gros boss, on va dire. Enfin un gros boss. C'est vite dit mais... C'est quoi qui brille comme ça là-bas? Putain! C'est peut-être juste que je peux pas monter plus haut. Hein. Exactement, moi je sais les faire. On va se dire ça. Il avait glissé, je savais pas trop pourquoi, mais... Fais yesh. Écoutez, écoutez, hein. Là-bas, il y a trop de trucs intrigants. Il y a un petit feu de camp, bordel, machin et tout. Ça, on dirait que c'est le Colisée qu'il y avait dans Breath of the Wild. Oh, il y a un rôle géant et tout, c'est dingue, c'est dingue. Vas-y, on se tire. Toutes ces ressources gâchées pour rien. Bah, du coup, les dragons, ils y sont encore. Ils y sont encore, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu certains. Là-haut, c'est quoi hein? J'ai fait du sanctuaire ou pas en fait? Mais j'ai pas fait de sanctuaire aussi. Il y a des sanctuaires toutes les... Et les secondes. Cinématique. Qu'est-ce qu'il fait lui avec son panneau hein. Il va le récupérer, tu vas voir. Du coup, le gars là il me dit quelque chose, mine de rien. Donc là, nouveau sanctuaire. Ah, attends, il y a un coffre. C'est quoi ça? On dirait que c'est des trucs à énergie. C'est juste simplement monter en fait. Avec qui on fait le village des zéros? Ah possible. C'est comme ça qu'on fait le village des... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais essayer de le prendre en simili soum soum mais... n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. J'ai pas grand chose à récupérer en plus, putain. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire avec ce bordel, moi.
Ah, ça s'enfonce ça dans les trucs. Un truc que je connais pas encore ça. Ok, bah let's go. On en apprend tous les jours. Ah, grande orbe d'énergie sono. Et bah j'ai bien fait de prendre ça.